Yo les gars, c'est Matt, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve sur le Feka comme vous pouvez le voir aujourd'hui les amis, petit Feka. Je sais que vous l'aimez énormément, énormément. Je vous mets en description si j'y pense la dernière vidéo Feka que je vous avais faite. Je vous mets le lien en description si vous le souhaitez. J'espère que vous allez tous très bien les amis, je suis très ravi de vous retrouver. Donc aujourd'hui on va jouer le gros Feka feu les gars. Donc particularité pour ceux qui ne connaîtraient pas mon Feka, c'est un Feka, je vous montre un level 155 comme vous pouvez le voir. Aujourd'hui on va jouer un gros mode feu. Bien bourrin comme il faut. Sachant que le Feka c'est une casse que j'aime beaucoup jouer aussi. Et vu que vous êtes très nombreux à me réclamer du PVP un peu plus bas level que 200, donc genre 150, vous kiffez de ouf hein. J'ai vu avec le SRAM vraiment vos retours très positifs, parce que j'ai aussi un SRAM 150 pour ceux qui n'auraient pas vu les vidéos, où je fais du 1v1 avec le SRAM 150 tout simplement. Donc là on est sur le petit Feka les amis aujourd'hui. Et du coup c'est parti, on va être parti pour les petites games. Donc pour le stuff, c'est un stuff basique que je vais utiliser. Donc c'est la perruque, la cape usée du Shenmue, la ceinture fossile, les bottes cérémoniales, combiné avec le talisman d'Elia Wood, un gelano PAPM. À ce level là c'est quasi obligatoire hein. Un petit anneau Shenmue, la baguette des limbes, le cadre cœur, le bisou glour, les trophées vous pouvez les constater ici. Je vais mettre la DD aussi de temps en temps parce que c'est une très bonne DD celle-ci, pour avoir plus de vita. Et en termes de stats, hein, on s'en tire avec 830 d'intel, 11 PA 6 PM, on a beaucoup de puissance. Voilà, on a 200 puissance, donc on a 1000 de stats hein, grossièrement. Voilà pour les caractéristiques et le stuff. Du coup, bah, les amis, ce que je vous propose, on suit sur les games. J'espère trouver de belles petites games. On va essayer de s'amuser au maximum et on va voir ce que ça peut donner. Du coup, à tout de suite les gars. Ok les amis, du coup on se retrouve première game contre un petit hop. Alors soyez indulgents les gars, voilà je suis pas main Feka du tout. On va juste faire ce qu'on va essayer de faire ce qu'on peut. Si vous avez, vous voyez par exemple des trucs que je fais en fail ou quoi, n'hésitez pas à me le dire. Tout simplement. Donc contre un yop, pardon. Quand j'ai barrière c'est un peu mieux. Parce qu'en vrai la griffe répulsion, je m'en sers jamais hein. Je vais garder un vue mêlée, un vue distance. Je garde les deux. Ouais, si je vais garder ça comme ça. On va être parti. Le mode a beaucoup de PO, c'est ça qui est sympa. Je vais plutôt jouer en Dragonin pour la game. Et je vais juste regarder en termes d'alternative. Dokoko va être très efficace, je pense. Emerald, pas spécialement efficace. Peut-être mettre un Dofus argenté qui pourrait carry vraiment la game sur le Feka. À la place de ça, vous savez, un argenté. Vas-y, tu sais quoi, on met un argenté, les gars. On tryhard aussi, nous, à cette cote. On est des fous. On va se mettre prêt. Petit hop, level 165. T'as 37% feu. L'abuse, lui, non? Salut bonhomme, t'as un scinti. A priori il a pas de scinti, enfin d'argenté. Non, on parle pas en scinti là les gars, on parle en argenté tout court. 12-6, ok, 12-6, c'est pas un yob mon coco ça. On a le combat. Normalement c'est à lui de jouer, ouais. Allô, tu dors? Bon les gars, ah il est réveillé. Je pense que je sais pas vraiment s'il est terre. On va check ça. Alors, je sais pas ce qu'il fait. Ouais coco hein. C'est pas bon de jouer Coco contre un Feka. Moi, le tour et la Coco, je fais juste barricade. Hein. Et c'est bon. Je regarde juste si le micro enregistre. On devrait être bon a priori. Faut un peu que je check un peu ma PO. Je pense qu'on peut TP. Je vais TP genre ici. 1, 2, 3, 4, 5. TP. Ok, juste avancer un max. Enfin, un max, non. Mais juste faire ça. On va faire ça. Bon, il a beaucoup de résistance, hein, le petit cochon. Hein. On va faire ça, je vais me caler par là-bas, on passe tour. Ok, bon pour l'instant il est pas boosté. Je me suis pas forcément mis de shield. Peut-être que j'ai mal fait, je sais pas. Là il peut nous tapoter. On a 30% terre, j'avais même pas vu. Mais c'est vrai que mon mode a de belles raises. Sauf les raises feu sont nuls. Mais en vrai de vrai vous pouvez voir on a 30% terre. Il met le stratège, il va faire juste une épée diop je pense. Voilà moins 600, c'était prévisible. Faut juste surveiller la coco. Faut qu'on surveille juste ça en fait. Ça va être ça le deal entre guillemets. Moi j'ai déjà claqué la téléglyphe, c'est pas dramatique spécialement, non. J'ai une femme fortive pour commencer. Tranquillou quoi. Atoni c'est comment? C'est comme ça hein, la PO. Hein. 5 et 3. Tac tac tac. En vrai j'ai juste Atoni je pense. On va se booster un petit peu en même temps. Nickel. Comment je procède? Ou alors je mets une flamiche et je me bouclier Feka. Ou alors je mets une glyphe en flat. Qui sera plus efficace, je pense. Glyphe en flat. Et je vais juste me caler là. Et là, on passe notre petit tour. Il va prendre quelques petites patates. C'est toujours ça, sur du 37%, ça va. Bon, il a plus de raise que nous, malgré que nous, on ait beaucoup de raise aussi. Hein. On va juste quand même surveiller la coco qui viendra au prochain tour, du coup. Ok, vas-y, tape-nous.
tape-nous, et là il peut plus rien faire. Peut-être qu'il va nous en prise, il va se dire, allez, je vais en prise comme ça, tac tac. En vrai, en prise moi, ça me va. Une vita, il lâche la petite vita. Ça marche, donc Coco il a au prochain. Donc moi je vais directement me barricade en mêlée, invulnérable en mêlée, pas que je me fail. Hein. Voilà, comme ça il fait plus rien. Est-ce que je détacle a priori, non. 5, 6, 7, 8, 9. Comment je procède là? Moi, je pense que je vais Atony pour faire vraiment mettre de bonnes petites patates de forain. Et attaque naturelle, hein, c'est ce qui aurait de plus bénéfique à faire pour nous. Hein. Est-ce qu'il détacle lui? Non, je vais rester à son cac en vrai. Comme ça, il peut même pas nous détacler. Pardon, je bégaye un peu. Il joue aussi en Dococo a priori. Ouais, ça marche. Ok. Là, en gros, sa Coco passe dans le vent. Hein. Mais là, il détacle pas, tu vois. J'ai bien fait de rester au cac, je pense. Il charge la Q et il va rien faire ce tour-ci. Hein. Ok. Normalement, j'ai la Libé. Yes, elle est là. Je l'ai trouvé. Petite Libé qui est présente. Là, en vrai, je vais juste bouclier Féca ce tour-là. Ok, il détacle. Ok. Donc là, je vais juste me bouclier Féca. Pour tanker un max. Ok. Je vais Atony. 5, 6, 7, 8. Ouais, je pense Atony. Parce que ça booste bien et ça tape bien. Mais après, sa Vita descend. On a du mal à la descendre, hein, vu qu'il a beaucoup de résistance. Ce petit cochon. Non, j'ai pas barrière. J'ai juste full tap ce tour-là. Hein. Et là je peux pas partir, j'ai pas de PM, mais c'est pas grave. Hein. On fait juste ça, on passe tour, c'est pas grave les gars. Et là on va bien tanker parce qu'on a bouclier FK et fortif ce tour là. Donc tu vois on réduit pas mal ouais. Après notre Vita commence aussi à descendre. Après lui il a stacké deux Vita non déjà. Non juste une, ça marche. On va essayer de surveiller un peu ça. Est-ce qu'il a relancé la Coco tout à l'heure? Non, il s'est dit ouais je vais passer à la Q, c'est quand même mieux. Les gars si vous croisez un FK, jouez pas bon Coco, ça sert à rien. Entre guillemets hein. Il a commencé à nous éroder, soit il part soit il reste. Il reste. A priori, il est resté. Ça, c'est combien de PA? 3. Plus 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 5 PA, il nous resterait. Je pense que je peux Atony. Comme ça. Je vais mettre. Juste. Ça là. Ok. Je vais juste me TP dedans. Ah, j'ai plus de PM. Comme ça se fait. Ah, c'est normal. Je vais TP dedans. Comme ça, il prend des dégâts. Nickel. Je sors. Il me reste 5 PM et je peux me caler là. Voilà, c'est ce que je voulais faire. On passe tour. Là, il prend nouveau du 300. Sa Vita commence à tomber délicatement, comme on peut le voir. Dans un tour, j'ai la barricade à nouveau. Bénef. Là, il a plus de PM s'il veut venir. Après, il peut bon. Il perd 5 PA. C'est tout à son honneur de perdre 5 PA. C'est cool, là. Franchement, le PVP level 150, 160, ça change de ouf. Hein. C'est marrant, quand même. Donc là, il peut bon. Okay, il recharge la Coco. On la sent dans... Ouais, elle passe dans la main. Elle passe dans la mine de rien. Il faut qu'on surveille nouveau, du coup. On va nouveau surveiller ça. Comment je peux procéder, là? Faudrait faire en sorte qu'il bon mais sans ouais sans non plus le faire de zone quoi, genre je vais juste Atony sinon, ou alors je vais juste non ce tour là sinon on est bien en vrai. Je vais faire ça, vous savez quoi, je vais faire ça. Ok, je vais juste faire ça. Faut que je mette beaucoup de dégâts hein. Et juste une attaque naturelle. Ouais. Et je vais commencer à aller par là. On passe tour. Ok, Dococo qui tombe, lui aussi. Bon, lui, il commence. Ouais. Lui, il prend que des gros Dococo parce qu'il a la Vita. Ça, c'est bon pour lui. Puissance, donc là, ça, okay, là, ça va faire mal. Je check, on a juste la Fortif. Il faut que je barricade quand il a la Coco. Donc, pas au prochain, quoi. Alors, épée Diop, ok. Double épée Diop, ça marche. Mais encore, ok, et il va juste s'avancer là. La glyphe, elle se barre, ça, c'est nickel. Je vais devoir le libé. Là il a pas encore la Coco au prochain, non. Donc je vais juste le libé. Comme ceci. Il perd quand une Vita lui? Pas encore a priori hein. Je vais faire bouclier FK. Ouais, double attaque naturelle en vrai c'est mieux hein. Ça ferait du 400 quasiment. Là on fait du 300, ouais double attaque. Comme ceci, un petit crit qui passe bien. Ok ok. Et là je vais juste en vrai me caler vers là-bas. Je vais me caler vers là-bas, on passe notre petit tour. Ok. Il reste 972 PDV, sachant qu'au prochain tour il perd une Vita. Donc on va voir ce qu'on peut faire les gars. Très beau match en tout cas, c'est un beau petit match, c'est très très corsé. Mais alors vraiment très corsé, et obligé de claquer un bon hein. Alors certes voilà les gars, il y aura peut-être des petites erreurs, c'est normal. Là il se revita, il a pas le choix. En vrai de vrai, il a pas le choix le petit bonhomme. Je vais essayer de le bloquer. Ok. Si maintenant je le bloque par là-bas après. Parce que là c'est son tour où il a la Coco. On est d'accord les gars, colère de Yop, ouais. Donc je vais juste me faire barricade, être invulnérable en mêlée. Comme ceci. Il va perdre la Vita et moi je vais me caler là après. Comme ça là il peut pas nous détacler entre guillemets.
Je vais même. Gravita, ça prendrait 3 PA. 5. 3. Ouais, tu sais quoi, je vais mettre. Glyph comme ça. Glyph Gravita ici. Juste taper. Et je vais me caler là, comme ça, là on est bien. Là il peut pas nous sortir ni rien. Nickel, voilà, il prend du moins 300, il nous reste 500 PDV. Il peut rien nous faire au corps à corps. Vu qu'on est invulnérable mêlé. Ouais. Ah mince, il y a le Dococo qui vient prochain. Ah, peut-être j'arrive à le kill avant le Dococo. Parce que là, en vrai de vrai, il peut pas se. Je crois qu'il peut se vita prochain tour, pas celui-là. À moins que je dise une bêtise. Aucune idée, les gars. Mais il tend. Enfin, il la recherche, quoi. Ok. Et en vrai de vrai, on peut lui annoncer le GG. Parce que là, on va le terminer. Attaque naturelle. Petit Atoni qui va faire le taf. Nickel, GG à lui. Belle petite game, honnêtement. C'est. Même voilà, c'est un peu entre guillemets du tryhard au level 150. Pourquoi pas hein. Moi, j'ai bien kiffé là. Hein. Très propre à lui. GG à toi, en tout cas. SMO, si ça se prend comme ça, pardon, ton petit pseudo. C'était une belle game. 8 minutes quand même. Moi, ouais, c'était du bon tryhard. Hein. Il a bien tanké le Diop en vrai. Hein. Il a bien tanké et il a bien joué surtout. En tout cas, GG à lui. On va super sur une petite prochaine game, les gars. A tout de suite. Ok les amis, nous voici directement dans la seconde game. On se retrouve contre un Kra. Ouais, c'est cool Kra. On va jouer Gravita. En vrai, je vais garder ça, ça, ça. Je vais plutôt mettre la Dragodin. Non. Ouais, je préfère, c'est mieux. Petite DD. Petite DD. Et en vrai, moi j'aime bien sur un argenté genre sur Feka, c'est trop bénéfique. Surtout à ce level, tu réduis tellement que tu vas forcément le proquer même si c'est rien de ouf. Juste voir parce que vu que moi je joue toujours avec le argenté scintillant, celui-là en gros t'as 20% de ta vie, soigné 20%, ok. T'as juste soin quoi, t'as pas de dégâts en plus. Ouais non, si c'est ça je crois. Vas-y on va jouer comme ça, après on joue Glyph Gravita, ça c'est une certitude. Vas-y on va faire, on va jouer comme ça, on va se mettre prêt, on va voir, on va lui dire. Salut au bonhomme. On va voir. Ok, il est R182. J'ai quoi comme réserve? 20% RG sur le FK. Ça passe honnêtement, on va tenter. Mais du coup il a 3000 HP. Il a pas d'argenté, il n'y a que nous. Good luck. Alors je sais pas qu'est-ce qu'ils ont mes adversaires, mais a priori leur premier tour ils galèrent un petit peu. Déjà le Yop d'avant. Ok, il joue, c'est bon. 3000 HP. Bon ça va, il a que. Lui comparé au Yop d'avant, il a 5% de reste. Ça va. Avant il avait 40% le Yop. Donc il est R on a dit, il peut nous mettre des patates de forain directement. Ouais. Bah en vrai de vrai j'ai pas le choix vu qu'il est à l'harcelante et tout. Je vais directement me mettre du shield. Pas le choix les gars. Pas trop le choix ouais. Un petit peu chiant même. Falloir que j'avance. Ok. Après j'ai rien à faire de beau. Si je peux peut-être. Non je peux pas. Hein. Ouais juste passe tour. En vrai tout T1 j'ai pas grand chose. Faut que je me rapproche au max. Et du coup, ben, vu qu'il est R, ça va être une galère de ouf. J'avais prévu de le bloquer dans la Gravita. Mais ça passera pas sans doute. Il va nous détacler à 200 000%, ça le problème. Ben, il joue R, ouais, on va voir. A priori, soit il s'endort en même temps qu'il joue, soit... Ah, c'est bon, il joue. Bon, on réduit bien, ça c'est cool. Je vais claquer la TP, je pense. Il va faire eu de taupe. Je sais pas si les sorts sont PO modifiables. Non, nickel. Nickel, nickel. Ouais, je vais TP. Hein. Je vais claquer la télégriffe. J'arrive à aller à son cag ou pas? 1, 2, ouais. Ouais, je vais faire ça en vrai. Je vais juste... Je vais aller là. Je vais faire ça. Ok, je vais TP dedans. Ça y prend direct des dégâts et un petit Atoni. Ouais, ça fait mal. Bon, là, je tape au cag. Je tape plus fort à distance. Hein. Ok. Si PM, il sort assez aisément, mais au moins le glyph a fait le taf, tu vois. Il a fait les dégâts pour les PA qu'on a utilisé, il a fait les dégâts qu'il fallait, quoi. Bon, là, on va prendre cher. J'ai même vu distance, tiens. Dès que j'ai pu les boucliers. Ok. Ouais, comme dit, j'arrive pas à le bloquer, quoi, contre un mur, vu qu'il est. Il est R, il a plus de tacle que nous. Mais après, je me dis, si on bourrine bien, il y a moyen de faire un truc, non, je sais pas. Je me dis que si, on va faire Atoni. Ça fait mal, hein. Atoni, ouais. Là, je vais perdre quoi, moi? Ok. Je vais m'invulnérabilité à distance comme ça. Perfect. Et en vrai, je vais juste mettre une petite attaque naturelle. Hein. Et peut-être prochain tour, on tente un kill. J'aurais bien aimé le remettre dans le glyph, mais non. Je vais juste faire ça. Et soit je me cache. Je vais me cacher là, tiens.
On va le forcer à bouger, à utiliser ses PM. On a le de Coco qui tombe. Notre meilleur pote, hein. Là, en vrai, s'il veut me taper, il est obligé de se dégoter, ou je sais pas comment on dit, une ligne de vue. Ou alors il spam les harcelantes, mais je suis invulnérable. Ah non, je suis invulnérable distance. Je suis bête, ok. Ouf, la cavotte. Intéressant. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tac. 1, 2, 3, 4, 5. Normalement, je l'aurai tout pile si je vais là. Je peux le taper tout pile. Tout pile, tout poil. Si, normalement, c'est ça, hein. 1, 2, 3. Ouais, si. Je me fais confiance. Non, il manque un PO. Voilà. Je me fais confiance. C'est ce que j'ai dit, non? Ok. On va juste faire ça en vrai. Moins 1, c'est toujours ça. Manque un PO. Mince. Un peu bête, ça. Hein. Chaffer crit qui pourrait être bien. Oh, beau gosse, ça. On va pas ce tour. Petit chaffer crit qui fait plaisir. Il manque un PO. Ouais, j'ai mal compté. C'est pas grave, le gars. Honnêtement, c'est pas dramatique. Les fails, ça fait partie du métier. Là on va prendre cher, il n'y a pas nous kill. Et peut-être que nous on peut poursuivre sur un kill. Ok, et il fait mal de ouf. Après il est 182, voilà. Il a 30 levels de plus, hein. Petite balise qui va pas forcément être utile. Là ce que je peux, bah, je vais juste venir en vrai. Je fais Atony. Ok. Il reste quoi là, 533 HP. Ça peut passer non, Schaffer il va kill. GG, ça passe, de toute façon on le kill nous-mêmes. Et si on killait pas, le Schaffer aurait kill. Schaffer c'est notre meilleur pote. Et ça passe, nickel. Honnêtement je pensais pas qu'on allait win parce que il avait quand même 30 levels de plus. Et 30 levels t'as de beaucoup meilleur stuff quoi. Genre c'est, mais c'est propre, il a bien joué. Là le dernier tour qu'il nous a mis, il était fort quoi, il a mis un gros tour honnêtement. Honnêtement j'aime beaucoup beaucoup ce petit FK. Je sais que vous aimez aussi beaucoup parce que je vous avais déjà fait une vidéo dessus il y a quelques temps. C'était pas avec le mode feu, hein. Le mode feu vous l'avez pas encore vu sur le FK. Mais c'est j'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Du coup voilà. Ben j'ai quand même envie juste de voir un petit truc vite fait en 2 minutes là. On va juste voir au putsch parce que j'ai pas encore regardé en putsch ce que ça donne en fait le FK. Alors c'est pas du tout là que je voulais aller. On va aller au village. Voilà, je me suis trompé de zap. Et on va tester ça du coup, j'ai hâte de voir. Bon, après on a vu sur le, ouais, sur le cra, il y avait 6% de reste feu, on tapait à peu près, on tapait pas mal fort, on va juste voir. Après ce qui est intéressant aussi c'est qu'on peut jouer la mise en garde. Bon, après t'as plus le droit au shield, mais c'est aussi intéressant, on va juste aller dans le putsch là. Je sais pas si on va y arriver, nickel ça passe. On va se mettre prêt, on va juste check un peu donc les Atonies. Donc après faut qu'on se booste aussi tu vois, genre avec les Atonies on 3 tours, ok. On va juste se booster un petit peu. Là en vrai on gagne 120, on gagne 240 d'intel, hein. C'est pas mal, hein. Le petit glyphe, on va TP dedans. Moins 569, l'Atony moins 600 quasiment. Ça fait mal, hein. Moins 568, on fait mal, hein. Ouais c'est un bon gros mode de bourrin, hein, ça c'est vraiment c'est sympa. On va faire ça. Et puis du coup on va le tuer, GG à notre pote le putsch. Non j'aime beaucoup le FK feu, c'est vraiment j'aime beaucoup 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 honnêtement. C'est l'un de mes éléments préférés entre guillemets du FK. J'aime beaucoup. Et celui que je déteste le plus bien sûr c'est le FK Terre Red Pair. Mais moi je joue pas. Je joue jamais Terre Red Pair. Bah écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. On aura eu 2 belles petites games. Là honnêtement c'était sympathique. J'ai bien aimé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. À activer la petite clochette de notification. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si vous voulez revoir le FK. J'ai encore plein d'autres modes à vous présenter. Comme dit, je vous mets la précédente vidéo que j'avais fait sur le FK dans la description. Si j'y pense, n'hésitez pas à aller checker ça. Mon lien de chaîne Twitch est aussi en description si vous voulez me rejoindre quand je suis en live. Hein, je live assez régulièrement, donc n'hésitez pas. Et je vous remercie encore à tous pour avoir dépassé les 30 000 abonnés et de continuer à me suivre. Ça fait vraiment très chaud au cœur. Et je vous dis à très bientôt, c'était Matt. Passez une bonne journée les gars. À bientôt. Ciao les gars.